On vous présente le mort m'échappe. Monsieur, mesdames, mes chers téléspectateurs, on vous présente un génie, un vrai créateur, puisque la chaîne est dédiée pour les créateurs, on les déniche, soit spontanément, soit au lac du Crèze. Donc on vous laisse le temps de découvrir ce génie vandagoise, vandagois, à nous présenter ça. Qu'est-ce que c'est déjà? Du feu électrique. C'est lui de parler. Donc, monsieur, si vous pouvez vous présenter au public, ainsi que présenter ce magnifique génie que vous avez créé automatiquement. Ben voilà, ça fait depuis 3 ans qu'on travaille sur ce produit, donc c'est un foil électrique. Donc c'est une planche de foil et on a mis dedans, à l'intérieur de la planche, on a inséré une batterie et un moteur avec toute une partie de refroidissement liquide. On récupère en fait l'eau qui vient remonter dans le mât et qui vient refroidir le contrôleur de vitesse. Voilà. Oui. À quelle vitesse, quelle est la vitesse maximale de cet engin nautique extrêmement nouveau? Justement, donc pour l'instant, on n'a pas encore, on sait à peu près, mais en théorie, à combien on devrait arriver en termes de vitesse. On devrait être en théorie approximativement vers les 40 km/h, mais dans la pratique, on sait très bien que c'est jamais pareil. Et en plus de ça, on a des appuis sur l'eau qui vont venir générer de la résistance. Donc pour le coup, on ne sait pas, il faut vraiment qu'on log ça et on a besoin justement d'avoir plus de données. Pour l'instant, c'est juste la phase de prototypage pré-série. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de fabriquer tous les outils pour pouvoir faire une industrialisation plus tard. Mais monsieur, par simplicité, vous avez oublié votre nom. Mon nom, c'est Baptiste Olivier. Enchanté Baptiste Olivier, enchanté monsieur Baptiste Olivier, le créateur, et on va passer à monsieur le testeur. Vrai, il fait froid, ouais. Mais il est courageux. Mois d'août, tranquille. Vous pouvez vous présenter, ainsi que vous avez senti le premier contact avec cet engin que vous expérimentez pour la première fois. Il me manque une jambe du coup. Hein? Derrière comme il vole, vas-y filme-le, il n'y a plus beaucoup de batterie là. On fera l'interview après. Ouais, attends, j'ai pas encore. C'est pas mal. Hein? Il écoute pas. Ok. Non, là, il y a le côté nage aussi, tu vois, il y a un petit peu de sport. Oui, allez, où est le? Je l'ai raté. Hop. C'est rafraîchissant. Oui. Ça va vite le tour, ou elle court super vite le temps. Non, mais je pense que. Ouais, mais je pense qu'elle fait juste le tour et le tour tu l'as fait rapidement en fait. Ouais, tu peux vraiment tout faire. Je vais la drôle. Mec, j'ai la meuf en prise de l'écriture. Je dors, c'est vite. Là, j'ai rien. Auto-suiveur, suiveur boule. J'ai mis le tracking boule. Yes, bro! Yeah! Fais gaffe, y'a pas de fond après. Quand même profond le truc. Hein. Oui. Ouais, on s'en rend pas compte sous l'eau, mais ce qui est bien, toi, pour faire les tests, c'est ça qui est bien, c'est que t'as du fond rapidement. Ouais. Donc pour le coup. Non, puis en fait, t'as raison, c'est cool comme endroit. Ça permet de tâter les virages dans tous les sens. En fait, ouais. Et puis en plus de ça, ce qui est bien, c'est que même s'il y a un problème électrique. Ouais, t'es pas trop loin. Quoi. Bon après on peut aller. C'est flat. Les jours de ultra flat on peut aller vers Grande Motte là-bas, c'est le long de la plage, à 10 mètres de la plage ici. Ah ouais? Ouais bah ouais, ça fait du coup des grandes lignes droites. Tout le long de. Tu sais la grande lagune Palavas sur Grande Motte. J'ai volé en drone hier là, au-dessus du Zingen Boat. Justement, et du coup j'ai pris une belle photo. Ouais, elle est où le Zingen Boat? La Grande Motte, je sais pas. À la Grande Motte? Ouais, c'est des hangars, 3 hangars. Ouais, et c'est eux qui t'ont invité ou pas? J'ai un pote qui bosse là-bas. Ah ouais, c'est un ancien capitaine. Oh le chien, il est sur le lit. Et il fait quoi là-bas? Un ancien capitaine, il fait quoi là-bas? Il fait un peu tout, il est menuisier marine. Okay. Il en a marre de naviguer, tu vois, il a 51 ans. Il en a marre de naviguer? Ouais.
Excellent, excellent. Et putain, comme il tient bien. Et il gère le Benin. Ouais. Ouais, c'est un bon ride. Lui, il la ferme, mais il ride bien. Aïe. Le risque. Vas-y. Hello, donc moi c'est Joe. Et je teste le e-foil, le Volt-Up que vous voyez là-bas. Et de grosses sensations à la clé. Une grande autonomie, une grande vitesse. C'est pas évident hein, quand même de trouver l'équilibre au début, mais je sens que ça vient. Voilà. On va donc ça. Vous. Hein, t'as vous mis combien de temps à appréhender à peu près? Ah, une trentaine de minutes quoi. Pour trouver l'équilibre quand la planche elle monte. Et le gauche-droite il est pas évident à tenir quoi. Mais non, c'est impressionnant. Mais à la longue, suite à l'expérience, on peut le maîtriser. Ouais, ouais. Donc vous conseillez le public à. vous conseillez le public à une consommation sans modération. Ah, c'est un produit local. À acheter de 7 à 77 ans. Clairement. Super. Voilà, pour vos parents, vos grands-parents, même ceux qui sont morts sur la tombe. Voilà, c'est super. Allez, ça bravo. Fait, ça fait un beau mausolée. Bravo pour le. C'était un surfeur. Bravo pour le courage d'abord d'essayer la nouveauté. Ouais, c'est une aventure. C'est ma vie. Et la deuxième, c'est bravo parce que vous avez contact avec l'eau glaciale. Et donc, c'est ça le risque du missier. Merci monsieur et à la prochaine. Merci. J'allais voir la vidéo. Tu l'as mis sur YouTube hein? Oui. Canal DH, on ira voir. Canal DH. Olé. Yeah, ouais. Oh bravo, ouais. Bravo, 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 bravo. Regarde ça. Comme il se coupe. Mais c'est complètement. T'as vu une lenteur en plus, t'as vu propre. Mais hé, il gère bien l'assiette. Ah, je sais pas faire. Hein? Y'a plus de batterie. Oui. Bah, en fait, quand je m'arrête, elle est à 2 là. Oh! Par contre, quand tu rides. Bah, elle monte, elle descend, donc je tiens un peu en fait. Pense, comme ça. Hein? L'expérience que vous avez. C'est au top. Au top, c'est. Merci, on vous attend pour une déclaration finale. On va passer sur Canal DH, tonton, t'inquiète. Ouais, grave! T'as trop bien quoi. La pub gratuite. T'as combien d'abonnés sur ta chaîne? Pas trop. 50. J'ai pas. J'ai à peine compris. Ça va venir, ça va venir. Si ouais. On tape 1%, on en vend un demi-planche. C'est bien. Waouh, il l'a fait. Le film là. Comme il se régale. Mais oui, mais faut que je filme. Ah, il se régale du coup. Ah, la branlette enfoirée comme il est bon ça me tue. Non mais il est tout calme, il est tout. Ouais, mais grave, il est tout bête. C'est Benoît. Ouais, voilà. Smooth. C'est mon opposé. Ouais, c'est vrai. Et il ride égal à lui-même. C'est ah, ça. Moi, ce qui est contre mes murs presque comme calme, intelligent, posé. Tu vois. C'est tout ce que j'arrive pas à être. Même si je me force. C'est du jamais vu, comme vous pouvez voir. Oui. Comme vous pouvez voir, elle monte un peu avec une suspension ou à quoi. Je ne sais pas. C'est le technicien qui va. C'est splendide comme machine, regardez. Elle se détache complètement de l'eau et reste avec une suspension ou je ne sais pas le mot technique, mais
c'est de la nouveauté, une nouveauté de création jamais vue. C'est du jamais vu, comme vous pouvez voir. Oui, comme vous pouvez voir, elle monte un peu avec une suspension ou à quoi, je sais pas. C'est le technicien qui va. Enfin, tu peux avoir des vitesses, mais c'est pas nécessaire. Je viens. Non, un outil Airbus. 23 pieds et 200 mètres. C'est splendide comme machine, regardez. Ouais. Elle se détache complètement de l'eau et reste avec une suspension ou je ne sais pas le mot technique, mais c'est la nouveauté, une nouveauté de création, jamais. J'ai 32 ans, rider, participé à l'élaboration de ce foil. Il se régale. On vient de terminer une session et c'est que du régal. C'est que du régal, tu voles au-dessus de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des vitesses en fait. Hein. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. Enfin, tu peux avoir des vitesses, mais c'est pas nécessaire. C'est le futur quoi. C'est mieux que le jet ski, c'est mieux que la planche à vol. Je viens. Non, un outil Airbus. 23 pieds. C'est de la nouveauté. T'as mis le pied un peu à l'arrière décalé déjà. En fait, ce qu'il y a, c'est que t'as le pied. J'ai 32 ans, rider, participé à l'élaboration de ce foil. Et on vient de terminer une session et c'est que du régal quoi. C'est que du régal, tu voles au-dessus de l'eau. Ouais. Bon, l'eau est un peu fraîche. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. Avec cette. C'est le futur quoi. C'est mieux que le jet ski, c'est mieux que la planche à vol, c'est pas mieux que le kite, c'est le même niveau, mais ça déchire quoi. Ouais, c'est de la nouveauté. C'est à essayer. Vandaloise. Il y a un truc en fait.